Fox. Lorsqu'ils furent recrutés pour créer une organisation anticomplotiste, ces individus étranges ne s'attendaient pas à être impliqués dans des événements beaucoup plus grands qu'eux. Mais si l'héritier du chevalier Granola les avait rassemblés, c'était dans le seul but de toujours faire face, en tant que dernier rempart contre l'avènement des franges sombres. Et souvent, à leur manière, ils avaient fait face. Face aux terribles machinations de Dark Vilius, qui n'a péri que grâce au sacrifice de Ben Kenisti et de nombreux Reptiliogs. Face à la disparition de leurs camarades, sauvés par la quête des Granolas sacrés et la Panthère cosmique. Face, enfin, au retour de l'ambitieux Lord Voldevest, qui tenta de prendre le contrôle de la population subdicienne. Après être sorti victorieux de ses nombreux périples, leurs différents mis de côté, enfin, pour la plupart, les Reptiliogs se réunissent au château du chevalier Granola pour fêter leur victoire. Peu se doute qu'ils sont à l'aube de leur plus grande aventure. Ouais Mélanie, c'est vraiment dommage que tu sois pas là, le temps est magnifique et j'arrive juste au château du chevalier Granola. Fêter notre victoire. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit là-bas? Victoire? Quelle victoire? Tu te rends compte? Il y a des traîtres entre nous. Ah bon? Je t'explique. Regarde, regarde. Non, non, faut pas rigoler. Les amis, la vie, elle nous a mis à terre. Vous savez, quand elle nous met à terre, il n'est pas juste de se relever. Il faut lui casser la gueule à la vie. Ouais. Louis, je viens de l'interroger. Je pense que c'est bon. Je peux envoyer pister l'autre qui cherche à ressusciter Dark Vilius avec des restes de brocoli. Je sais pas ce qu'il cherche à accomplir. Louis, je comprends pas trop ce qu'il fait. Parfois il est là, parfois il est pas là. Je l'ai vu changer de con au moins 3 fois. Je comprends plus ce qu'il se passe là. Et donc elle là, qu'est-ce qu'on fait d'elle, Moad? L'amitié, c'est un peu d'avoir des stratégies. Mais le. La vraie amie. Utile. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonathan? La dernière fois que je l'ai vu, il a disparu dans les franges. Aucune nouvelle de lui depuis. Ah, c'est quoi? Ce soir, on s'occupe des autres. Mais Louis. Louis, tu me le laisses. Oui. Génie ou débile, je ne sais pas, ça reste un mystère. Toi, je t'ai pas oublié. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce que t'as à dire pour la défense? Traître. Traître. Moi, un traître, mais jamais. Enfin, je vois pas pourquoi. Je vous ai aidé à détruire des Horcruxes à Saint-Étienne. Enfin, c'est quoi le problème? Je suis pas très convaincu, hein. Moi non plus. Je sais pas ce que j'ai à faire, mais j'ai un truc à faire. Hein. Là, il faut grandir. Hein. À plus, hein. Ciao. Et Quentin, viens boire un coup, là. Hein. Ok, j'arrive. Tu connais pas? Tu connais pas, là. Mais merci, chef. Ah!
Bon Nico, viens là, viens t'asseoir ici Nico. Hop là. T'as quoi à dire pour ta défense hein? Ouais, t'as quoi à dire pour ta défense? Je sens que quelque chose va se passer. La Blanca avait vu juste. Un événement qui allait marquer l'avenir de notre monde était sur le point de s'accomplir. Dans l'ombre, le plus grand adversaire des Reptiliogs était prêt à faire son entrée et à mettre en marche son plan. Le Piogs Bang allait commencer. Très bien. Je m'en occuperai moi-même. Bienvenue, élu des franges, je t'attendais. Le temps nous est compté et nous avons fort à corréler.